information. C'est comme ça, nous-mêmes, en tant qu'autorité, nous sommes chita, nous sommes planifiés, pour nous sommes capables, ouais, dans quelle mesure nous sommes capables de faire les gens qui ont des marchandises, qui ferment la machine de l'autre bois, sont capables d'entrer. Et c'est comme ça que nous avons pris jeudi samedi à la pour travailler ça a été commencé. Et c'est ça que nous avons observé là. Et nous avons un portail là ouvert, oh, c'est un portail qui ouvre pour nous dire que frontière ouvre, mais c'est un portail qui ouvre son couloir que nous ouvre pour les gens qui ont sorti avec la machine qui a 2 mois depuis qu'ils ont été fermés pour la machine qui est capable de sortir. Donc, jour d'aujourd'hui, hein, nous pensons que le couloir, ça, c'est pour couloir humanitaire, c'est pour couloir parce que c'est propre haïtien la caille nous qui a souffert. Nous devons aider yo pour être capable de sortir dans ça que nous avons. Donc, ça veut dire que nous pensons que le travail, ça, nous pensons que tout haïtien qui a compris et tout le monde qui sentit que c'est le monde nous, c'est haïtien que nous avons. Et oui, tout à fait, inspecteur. Nous connaissons dernièrement, nous avons un jour pour machine Zio et sorti qui pas suffit. Mais je dis, est-ce que nous pensons que ce n'est pas la même répétition parce que nous n'avons pas de gâteau, marchandises, pas de gâteau sorti parce que pour voler marchandises qui sont dedans, et un seul joueur pas suffit. Bon, et si vous bien gardez son processus là, où est son processus qui est là, Dominique, même a employé une stratégie. Pour toute machine, yo pas sorti pour toujours des machines qui est en dedans. Okay. Donc, journée en capacité, l'organo, ouais, c'est une vingtaine de machines qui passent. Donc, et ça, moi, m'a constaté, moi, c'est barrière américain, c'est container, mon qui vient barrer capable les caracol, c'est au qui plus à sortir là. Mais qu'on y a, moi, même besoin ouais pour machines et marchandises, yo tout qui passe, parce que c'est haïtien et tout. Donc nous pas capable favoriser un groupe pour l'autre groupe là arrêter pour bomber. Okay, okay. Donc nous-mêmes nous tient à ce que tout le monde qui gagne machine, qui gagne motocycle, poids ou tout ça qui cap sorti que au sorti sans retirer, sans mettre, sans passe pour qui. OK. OK. On a suivre évolution n'a suivi comment on a passé. Bon, nous les policiers là et plusieurs unités tant que j'en compte dire tout à l'heure. Plusieurs unités là et mobilisées pour capable et faciliter les haïtiens capables de traverser la machine. Yo. Et nous avons mercredi, si Dieu veut, et nous avons 8 novembre, et c'est moun kap gen pour capable de prendre marchandise dans la machine pour capable de sortir ensemble avec. Et pas bien rentrer dans le fond dans le port, c'est rentrer dans la machine, aller prendre marchandise, retourner et puis retourner la caille. Et juste avant ça, inspecteur, concernant les gens qui ont des marchandises qui brûlent et dans le marché d'abonnement, et pas grand chose sorti pour nous ça jusqu'à présent? Bon, jusqu'à présent, les gens qui le problème non, ce n'est pas nous. Le problème non, c'est le gouvernement dominicain qui est supposé dédommager les gens. Parce que le marché n'a pas traité comme ça, il te prend du feu, non? Ce n'est pas un du feu qui sort dans le ciel là qui est tombé. Et son marché qui est très bien sécurisé, son marché qui a une caméra dans tout le monde. Et je crois que si vous avez des gens qui vont regarder à l'aide de caméra, vous avez des gens qui font un incendie criminel. Ça. Parce que c'est ça qui a passé là, aujourd'hui. Parce que c'est un mec criminel qui a fait marché à du feu. C'est le fait que vous avez pillé un paquet de bail dans les haïtiens. Et puis, vous avez fait du feu. Pour chercher un prétexte pour dire que vous même yon. Donc tout le monde est comprendre là. Donc, et n'a pas dit Busta John, n'a pas dit Sarah, Foucault et Infoberto. Nous là, n'a pas qu'un béjam, nous pas plagué bataille là, et bataille là fin carré, et que dans la semaine ou bien dans le mois qui vient là, c'est on l'autre bataille. C'est au-delà du canal, au-delà de la frontière. Et puis, la bataille là, mal faite parce que le pays a pas continué dans sa crise là. Après, journée finie là, le foncier a refermé encore, c'est ça? Refermé et le mercredi, il y a prouvé pour les gens qui ont des marchandises qui sont capables de passer. Donc, à partir de là, on va connaître l'autre histoire. La frontière a fermé net. Pas bien à faire question.
et à traverser, on a pas l'acheter, pas de bail pour ça. Je pense que l'autre gouvernement monté, et bien, si mon chita attendait qu'on fait la fête avec l'autre gouvernement, mais c'est pas le gouvernement ça. Le gouvernement raciste ça, le gouvernement et corrompu ça, qui est en tête de Abinadel, et il y en a un monde qui tue, qui tue le président Jovenel ensemble avec cousin Boulos. Donc nous avons doit juger. Et nous avons demandé aux Nations Unies, si vous avez un travail sérieux à mener, il faut que commencer à relayer Abinadel, il faut que commencer à relayer Boulos pour capable interpeller la justice pour poser une question sur la mort du président, parce que c'est la mercenaire qui est passée. Il n'y a pas de passer de l'autre côté, il faut que vous questionnez le président. Voilà, merci inspecteur. D'accord, merci. C'est qui te gagne machine en dedans, nous te permettre après 2 mois fermeture frontière là, nous permettre nous de sortir avec machine normalement. Ouais, nous avons une mobilisation très forte qui gagne des unités spécialisées de la police, la BI, police front, pour que vous checkez machine ça fouiller pour que nous ça pas entrer avec mauvais bagages sur le territoire. Nous avons l'autre tête là qui a entré avec le monde. Qui est-ce qui vient de machine ça? Oui, il y a des trailers de Caracol, il y a des ONG qui étaient bloqués au niveau de frontière pour permettre tout le monde ça sortir. Non, là ça va dire là c'est pas bon Haïti qui est sur direction pour rentrer. Est-ce qu'il y a des possibilités de rentrer? Non, c'est peut-être camion qui pourrait aller, conteneur qui bloqué l'endroit. Ok, donc il va rentrer. C'est peut-être camion qui a cherché pour ça qui est là. Mais ce n'est pas machine qui a rentré en République Dominicaine. Ok, il y a un message pour tout le monde qui a eu l'idée d'approcher cette frontière, soit pour entendre l'acheter ou à faire notre transaction. Nous disons tout le monde ça et tant que dialogue qui nous fait ensemble avec le Dominicaine pour revendication population en passé. Parce que nous là pour nous là. Même là, comme vice-délégué, nous défendons l'intérêt de la population. C'est que nous avons des revendications propres, nous avons un dialogue franc avant la frontière à ouvrir, j'en ai ou pas avant. Délégué qui est marché à l'ouvrir? Marché à pourquoi? Pourquoi pour qu'il y ait un dialogue? Des espaces de marchandises et petit commerçant haïtien. Marché frontalier, on va mettre là. Marché frontalier, on va mettre là pour ouvrir très bientôt. Parce que nous avons travaillé sur ça avec le comité paritaire. C'est à cause du blocage qui vient dans la frontière là, de deux côtés, qui fait que la frontière est ouverte déjà. Marché est ouverte déjà. Mais est-ce que le marché va mettre là pour l'ouverture, c'est après dialogue ça pour dire? Oui, c'est avec dialogue parce que nous gagnons, nous partageons même marché avec eux. Il faut que nous gagnions un jour pour nous, bien si nous fonctionnons en même temps. Pour nous connaître le règlement, nous avons des marchandises haïtiennes qui pourraient vendre en République dominicaine. Il faut que nous soyons d'accord, le commerce doit équilibrer. Il ne faut pas seulement nous prendre l'argent dans la poche de côté bas et puis nous-mêmes nous ne pouvons pas vendre. Oui, la prochaine fois, nous pouvons mercredi, nous discutons ensemble avec le commerçant pour que nous cherchions des marchandises. Mais nous avons cherché des moyens qui sont plus efficaces là. Si, par exemple, nous avons 3-4 marchands, nous avons pris des marchandises, nous avons pris un camion pour ne pas permettre pas que ces motocyclettes à rentrer. C'est ça que la planification a fait pour mercredi. Par rapport à marchandises qui étaient dans le marché, à place où vous voulez marchandises haïtiennes, est-ce que nous avons déjà commandé l'agir? Oui, à travers de consulat, nous te fait constat légal, vous comprenez, et puis pour que suivi fait, vous comprenez, suivi à c'est vous connaissez, et c'est pas voie diplomatique, c'est consulat. Parce que là, ici, nous avons d'abord, non, c'est lui qui a fait suivi au bon. Voilà, c'est le délégué du département nord-est, Harold Joseph. Je ne sais pas si tu vas dans le village ou tu vas dans le village.
Depuis que c'est dans la négociation dans la bouche, eh bien Dominique a bon. Parce qu'on pas un bagage écrit, eh bien, on a un bagage formel. Il y a une négociation, on a renégocié avec Dominicain pour tout ça qui part dans l'autre tourne dans l'autre. Et c'est ça que fait Dominicain prend nous. Il fait chaque mois, on a entré et sorti, il a fait l'argent avec nous. C'est ça que fait Dominicain, pas que j'aime accepter pour que vous ayez un jour marché, nous gagnons un jour marché pour leur entrer. Et là, nous gardons, nous n'avons pas venu, nous camper la caille. Donc, tout le temps, ça n'est pas fait, et bien Dominique n'est pas jamais respecté. Nous léser notre droit, nous disons que le droit ici est respecté, et pas le droit tout le monde en tant que nous respecté. Oui, vous dites que c'est l'avenir de l'immunité, allez, nous devons négocier. Nous devons négocier. Ça veut dire que nous ne pouvons pas parler avec Abinader. Non, pas de chute à parler avec Abinader. Abinader n'a pas respecté le droit ici. Il pas respecter le monde. Abinader c'est seulement fait l'argent avec Haïtien. Il dit pour que Abati Grand Gouyo et seulement il a ouvert un couloir humanitaire pour yo et puis Abati Grand Gouyo son bon Grand Gouyo hier parole et bien n'a montré monsieur avec parole ça yo que nous-mêmes nous gain dignité, nous gain fierté et nous gain souveraineté nationale nous. Qui était en bas là bas ben nous prend et ben n'a flotté le jour aujourd'hui et que c'est pour tout haïtien qui a gardé nous là et vous sentir fier d'être haïtien parce que haïtien gain sentiment haïtien gagne sacré l'amour patriotique la caille tout même là nous gain une série d'autorités qui sont bonne payaya et on bonne on ta cap dire une bonne monde qui pas gain monde la caille sans colonne vertébrale. Donc, autorité nous, on y a dû ramasser caractère. Si peuple va mettre là, si peuple
haïtienne haïtien qui a campé journée aujourd'hui pour faire mener une bataille comme ça, et bien ça veut dire pays a grand espoir. Oui, grand le monde capitaine de là et à travers le monde, surtout la population haïtienne de la diaspora et de la communauté internationale là, et en Haïti aussi. Et je t'ai aimé rappeler ou tout à rappeler des revendications qui n'ont pas été sous table et négociations qui ont été faites avec le gouvernement, puisqu'on dit que nous ne pouvons pas chiter avec Abinader. Bon, nous avons 7 points. Il y a 7 points clés. Et tout d'abord, Fomzo, Haïti, diaspora unie, déjà chita, déjà clair déjà. Nous-mêmes, nous clair, parce que là, m'a considéré et tripotaille la caille. A fait bon mon TV et qui est-ce qui est bon? Télévisionnaire et il gagnait tout Gustave John, Foucault, Sarah et Infoberto, tout le monde ça y a, c'est des monde qui vraiment a lutté pour que gagne l'autre Haïti, pour que gagne l'autre frontière, pour que gagne l'autre travail qui fait, pour que nous gagne l'autre pays. Et pourquoi pas pour nous gagne l'autre pays, y ont l'autre gouvernance, y ont l'autre mode de vie. Parce que la façon que y a traité nous en tant que peuple, ça, hein, et tant que Jean Dominique prend nous, tant que son bande inhumain, tant que son bande sauvage, tant que son bande esclave, nous disons nous pas esclaves. Et aujourd'hui, nous disons que nous avons un pays à toujours. Nous avons un pays. Bon, je n'ai pas gagné 7 points dans la tête. Mais n'importe où, je gagne, et puis pour moi, l'un après l'autre, et puis, mais je ne peux pas accepter. Et ces points ça c'est là nous parlons Kembeo a fait un jour marcher pour nous, un jour marcher pour nous, et bien c'est mais aller mais venir qui fait amis durer. Il a pas voulu reconnaître ça, mais après il reconnaître les pieds devant. OK, nous merci. Merci. Voilà voilà amis internautes Haïti Media en nous. OK, Jean qui n'a pas regardé là. Et je dis à ces un jour que autorité et yo te entendu l'autorité haïtienne yo te entendu yo et ensemble avec l'autorité dominicaine yo yo te capable de bailler un pouvoir en façon pour machine qui te rete en République dominicaine yo capable sortir. Et si n'a regardé là nous ka gardé machine yo qui commencé et à sortir machine yo commencé à sortir là. Ouais, nous sommes capables de garder tout et agent IDMO, Polyfront et agent BI, mêlés ensemble avec les policiers administratifs qui trouvent dans l'espace là, dans le moment que nous avons parlé là, une façon pour être capable de sécuriser l'espace là. Nous là, en tout cas, nous là, nous sommes sur place. Et une façon pour être capable d'informer les amis internautes Haïti Media. Et vous êtes ensemble avec nous. Parce que nous là pour aller chercher information et n'importe côté de carrière, bah ou non, bon timan. Nous vous devons marcher. Oui, oui, papa Bella, délégant de A on de S. On se fait là. Ah, c'est machine privée au cap sorti. On n'a pas regardé là. Plusieurs machines privées qui a sorti là, à un moment qui n'a pas l'air. Comment faire-t-il là?
Voilà, machine de cap déplacer là, mais faut qu'on dise non et que c'est une machine privée. Mais un moment cap sorti ça. La police qui est là, la police là, sur place, on passe au capable de checker les machines. Besoin pour moi. Mais il n'y a pas de téléphone dans la main. Tout à l'heure, je communique. Vem lá, vem lá, vem lá.